Dis-moi Siri, est-ce que tu peux me donner la météo d'aujourd'hui dans le Nord-Pas-de-Calais, s'il te plaît? Voici le temps aujourd'hui à Nord-Pas-de-Calais. Bon, ça va, il est 17h, il fait 27 degrés, on est monté à maximum 35. C'est plus calme, on peut parler de vidéo. Salut tout le monde, c'était j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi ça va parfaitement bien. Aujourd'hui, je te l'ai dit, c'est l'été, il fait chaud et on change de plan. J'irai pas jusqu'à dire que j'aime pas la chaleur. J'aime pas quand il n'y a pas un pet de vent. Et là, actuellement, il n'y a pas un pet de vent et je suis en train de souffrir. Il n'y a pas très longtemps, ça fait un peu moins d'une semaine, j'ai eu cette chose. J'ai eu cette chose qui est une Pokévap, tout simplement. Qui marche extrêmement bien, mais dont on viendra parler prochainement. Pas maintenant, prochainement, j'ai dit. Donc du coup, pour vous faire languir de cette chose, je vais vaper avec durant les tests. Je me plains qu'il fait extrêmement chaud, c'est pour ça que je vous ai trouvé une gamme de liquide fort en VG, parce qu'elle sera même en 100% VG. Elle sera fraîche, très fraîche, et elle sera même très agréable. Alors, il faut savoir que la gamme malaisienne a été présentée quand j'étais sur Paris, à la Vape Expo, donc l'année dernière. Et là, ils l'ont fait en 50 ml. Donc ma petite Vic me les avait envoyées. On a le Fantastic, on a le Orangina et le Sprite. Évidemment, aucune copie de boisson très reconnue internationalement, pas du tout. Mais pas, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. C'est pas le genre de liquidéo. Dans tout ça, il y en a un qui m'a quand même marqué, c'est le Sprite. Le Sprite en DMA, je l'avais bien aimé. Alors, je parle vite fait des jus, après on viendra parler du flaconnage. Il m'avait bien bien plu par rapport à ce petit goût de Sprite. Alors, par contre, liquide fort sucré, je trouve, qui sera en 100% VG, mais bien sucré quand même. Et je trouve que c'est dommage, comparé à ses collègues, l'Orangina et le Fanta, il sera quand même très sucré. Mais il passe extrêmement bien. Marche bien cette petite Pokéball. Au niveau des flacons, rien de plus simple. Voilà. Donc là, on a un flacon de 60 ml en version Gorilla, avec le petit Liquideo malaisien, donc c'est bien la gamme malaisienne, rempli réellement à... Ouais, il a failli tomber. Rempli réellement à 60 ml. Vous n'aurez pas d'espace pour mettre un booster, pour vous le mettre en 3, ou en 6, ou en 0, ou en je sais pas combien de nicotine. Il faudra automatiquement reprendre notre flacon. On aura la composition, glycérine végétale 100%, avec une base d'arôme. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis par contre sur les nouveaux 50 ml. Je sais pas si vous allez le voir. On va faire un petit zoom. Tac. Voilà, trois nouvelles indications. L'usinage qui est à Méricourt, qui est pas très loin de chez moi. Leur numéro de téléphone et l'adresse mail. Ça, c'est très très bien. Ça apporte pas grand-chose, mais c'est très bien pour le flaconnage, tout simplement. Au niveau de l'étiquetage, on reste sur quelque chose de très simple. Le Sprite, rien de plus simple. L'Orangina également, rien de plus simple, pourtant très très bon jus. Et le Fanta, où là ils ont mis un peu plus de peps au niveau du nom, qui s'appelle par contre Fantastic. Je sais pas s'ils ont eu un... Je sais pas s'ils ont eu un petit souci avec le nom du Fanta, parce que là, celui-ci s'appelle Fantastic. Je pense que Origido pour Orangina, un peu mieux. Par contre, le Sprite, je pense qu'ils auraient pu améliorer au niveau du nom, mettre autre chose, mais voilà, on reste quand même sur des noms bien choisis. Au niveau des saveurs, c'est trois liquides qui sont prioritairement pour gros matos. On ne viendra pas vaper ça sur du petit matos parce que c'est des liquides quand même bien sucrés, mais également frais. Donc pour ça que je vous ai dit que pour l'été, ça allait vraiment être clean. Ça, c'est cool. Le Orangina, je vais bien l'aimer. Je l'avais déjà dit à la Vape Expo, j'ai bien aimé l'Orangina, mais il manquait quelque chose. Alors est-ce qu'ils ont changé la recette? Eh ben écoute Toby, on va voir ça tout de suite. Orangina, par Liquideo, gamme Malaysian Fresh. Troisième essai du rouvrage de bouteille, parce qu'une main c'est la mort.
Ah, déjà, l'odeur est beaucoup plus appréciable que celle que j'avais testée à la Vape Expo. Là, on est vraiment sur une odeur d'orange. Bah, d'orangina, tout simplement. Hop. Bon, Vic, je sais que tu regarderas la vidéo, donc je te le dis, tes fioles, elles collent. Je sais pas ce que tu fais avec tes fioles. Moi, j'ai rien fait avec les fioles, mais elles collent. J'ai oublié. On n'a pas parlé des... les commentaires qu'il y a sur la chaîne YouTube, donc on va en parler tranquillement. Ah, ouais, j'ai vu un commentaire sur le fisheye, je vais y répondre tout de suite vu que la vidéo est sortie il n'y a pas très longtemps. Il est indisponible sur le site, où encore peut-on le trouver et ça coûte combien tout ça? Alors, tu peux tout simplement trouver sur le site que j'ai fourni, c'est le site de mon magasin, je sais qu'il en reste toujours. T'as juste à taper Marina Vap en barre de recherche et tu les trouveras très facilement. Savasto sur fuck le Nico Boost, merci Marisol, vidéo qui date d'il y a très longtemps. Pour 50 ml, tu dois mettre combien de boosters? Tu dois mettre à peu près un booster pour arriver à du 3. La revue du Vandy Vape, 80 watts. Mon petit Culture Vape qui m'a répondu. C'est grâce à lui que j'ai autant de partenariats. C'est grâce à lui que je peux enfin arrêter de manger des pâtes le soir. Merci Pierre, grâce à toi, je suis devenu populaire. Non, je déconne. Alors mon petit père il a dit je te regarde également parce que moi je lui avais parlé de la Pulse, sa petite astuce sur la Pulse. Très bonne cette petite Pulse, hein. Oui, sincèrement elle est très très bien, j'en suis vraiment pas déçu, je la conseille vraiment à pas mal de personnes. Toujours aussi soigné tes montages avec la petite Zik. Merci, écoute ça reste dans mes habitudes. Rare chez les reviewers ici. Alors, je vais le redire encore une fois, parce que c'est le commentaire qui rebute énormément de fois. On peut dire reviewer, on peut dire youtubeur, on peut dire ce que vous voulez. Mais voilà, c'est juste une envie que j'ai de faire les vidéos, de vous présenter le matos, etc. Ça jamais, on m'a jamais mis le couteau sous la gorge en mode présente ce produit, etc. Que le produit soit très bien, je vous en dirai du bien. Mais je vous dirai également les inconvénients. Que ce produit soit très mauvais, je vous en dirai également des choses mauvaises. C'est pas parce qu'une société va me dire « Écoute, je t'envoie ça » que je dirai « Ok, j'en dis que du bien ». Il faut bien retenir cette phrase-là, c'est vachement important. Je pense que beaucoup de youtubeurs français, au niveau de la cigarette électronique, reçoivent du matos et vous disent pas mal de choses négatives, bah vous disent beaucoup de choses positives là-dessus et en fait au final c'est pas ça. Donc voilà, je cherche toujours à dire ce que je pense réellement, ça concerne que mon opinion, je mets jamais la petite vignette au début disant que ça concerne que mon opinion, etc. Parce que je pense que vous devez déjà le savoir de base. On va reparler de cette petite gamme, la Malaysian Fresh. Perso, je pense qu'en zéro de nicotine, on a quand même une bonne boule en gorge au niveau de la saveur, c'est quand même bien costaud. Je recommanderais quand même de les booster à 1,5. Merde. Si vous vapez vraiment en 3 mg, vous pouvez les mettre en 3. J'essaie de diminuer le 3 pour passer en 0 pour vous faire une prochaine revue. En 1,5 de nicotine, ils passent très très bien. Merci ma petite Vic d'avoir fourni ces liquides. Je t'ai dit qu'il y en avait que j'aimais très bien. Le Sprite, mais qui est un peu sucré, donc là avec les fortes chaleurs, c'est pas totalement le top. Le Fanta, je l'ouvre pas parce que je te le sèche littéralement. Le Fanta, si vous êtes déjà adepte de la boisson, je pense que vous serez 100% adepte du liquide. Après, il faut savoir aussi que vous l'avez en possibilité de 10 ml. Comme ça, vous n'avez pas d'inquiétude. Le DML sera déjà très très bien pour vous. Le Fanta, je l'adore. Le Orangina, je suis un peu moins fan. Rien qu'à l'odeur, il est déjà très bon. Mais j'ai jamais été fan de ces jus-là, orange, de boisson, des trucs comme ça. Voilà, donc principalement, je vais retenir, c'est le Fanta dans la globalité de ces liquides-là. L'équipe Liquideo, je vous remercie encore. Plein de gros bisous du Nord. Bien wesh pour la gamme en 50 ml, enfin en 60 ml plutôt. C'est déjà très très bien d'avoir fait ça. Si t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu vers le haut. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sinon, on décale toujours sur Insta, sur Snap, sur Facebook. J'essaie de répondre au plus rapidement à tout le monde. Je vous fais de très gros bisous à tous. C'était Théo, prenez soin de vous. A très bientôt et bon courage sur l'été parce que il va faire chaud. J'allais oublier la petite barre pour le départ. Il fait vraiment extrêmement chaud.